Bonjour les amis de Alain Basset. Alors aujourd'hui, je vous vais présenter un jeu qui va aider les enfants de la moyenne section et aussi de la grande section à apprendre à lire l'alphabet, les mots et les phrases aussi en grande section. Alors tout d'abord, on a besoin d'un gobelet. Alors on a besoin d'un gobelet en plastique et on a besoin des étiquettes comme ça, adhésif. Alors, on va coller, on va écrire l'alphabet ici dans l'adhésif et on va écrire tout l'alphabet, alors 26 lettres, les voyelles et les consonnes, et on va coller les lettres sur les gobelets. Ici, on va mettre des photocopies des alphabets, les 26 lettres, et on va les plastifier comme ça et on va trier chaque lettre à sa place dans un gobelet. Voilà. Alors, on a toutes les lettres, alors comme vous voyez ici, alors X et les autres. Et on a mis les voyelles en rouge, comme vous voyez. Alors toutes les voyelles en rouge, alors on a la lettre A, la lettre O, la lettre E accent aussi, E, I, alors les voyelles en rouge. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples. Par exemple, on va demander à l'enfant d'écrire le mot « banane » ou bien de formuler le mot « banane ». Elle va chercher. Alors « banane », pour construire le mot « banane », c'est avec trois syllabes. « Ba, na, ne ». Alors, il va chercher en premier. Première syllabe, c'est « ba ». Alors, il va chercher « b », la lettre « b ». Il va prendre la lettre « b » comme ça et elle va poser comme ça. « B ». Après, il va chercher la lettre A pour construire la syllabe BA. B-A, BA. Ou bien, on va dire B-A. C'est le son B-A, BA. Ensuite, c'est la lettre N. Alors, on va chercher ensemble la lettre N. Voilà, la lettre N. L'enfant, elle va prendre la lettre N et va la mettre ici. Alors, pour construire la syllabe NA. Alors, on a besoin de la lettre A aussi. Alors, N, A, c'est na. Alors, on a ba, na, ne. On a besoin de la syllabe ne. Alors, on va prendre aussi la lettre N pour construire le son ou bien la syllabe ne. N, E, c'est ne. Voilà le mot ba, na, ne. Banane. Alors après, on va voir le mot, par exemple, moto. Alors pour le mot moto, on a besoin de la lettre M. Et on a besoin de deux syllabes dans le mot moto. Mo et to. Alors on va construire la syllabe mo, c'est avec M-O. M-O, c'est mo. Après, on a besoin de la syllabe to. Pour la syllabe TO, on a besoin de la lettre T, T, et on a besoin de la lettre O aussi pour construire la syllabe TO, T, O, TO, MO, TO, MO, TO. Voilà. Alors, ce jeu-là, il nous aide ou bien elle aide les enfants à découvrir la lettre et découvrir la syllabe, découvrir le mot et bien sûr la phrase. Alors avec ce jeu, on peut écrire le mot, on peut écrire la syllabe et on peut écrire la phrase. Alors merci beaucoup pour votre attention et j'espère que vous allez inchallah utiliser cette méthode pour aider les enfants à apprendre les lettres et apprendre les mots et aussi les phrases, pourquoi pas. Merci beaucoup, au revoir.